petit garçon qui était en vacances à Izu avec sa famille. Il avait bien envie d'aller jouer. Mais il voulait pas rater son émission préférée à la télé. Alors il décide de l'enregistrer sur le magnétoscope de l'hôtel. Seulement les chaînes sont complètement différentes là-bas. En toute logique, il aurait dû avoir une image entièrement brouillée. Mais sur la cassette, il y avait bien quelque chose. Il y avait une femme étrange qui disait « Tu vas mourir dans 7 jours ». Puis il a arrêté la vidéo et le téléphone a sonné. Maintenant tu as vu. On l'a retrouvé mort 7 jours plus tard dans son lit. La tête que tu fais. Qui t'a raconté ça? Tout le monde en parle à l'école. C'est Yoko? Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'arrive? L'autre jour, j'ai vu un film étrange. Ah oui, quand? Le jour avec Yoko. C'est le jour où vous avez découché, toi et les garçons? T'es bête, il s'est rien passé du tout. Mais cette nuit-là, Iwata a trouvé une vidéo bizarre. Et le soir, tous ensemble, on l'a regardée. Bizarre? Oui, très angoissante. Et dès que le film a été terminé, le téléphone a sonné. Il n'y avait personne au bout du fil. Alors vous aussi. La rumeur, on la connaissait déjà. Ça fait 7 jours aujourd'hui. Arrête. Tu dis ça rien que pour que j'aie la trouille. T'as gagné. Waouh, l'autre, l'arnaque. Tu crois n'importe quoi. Allez, dis-moi la vérité, vous avez couché ensemble, hein, coquine? Raconte, raconte, raconte. Non. Allez, y a rien je veux à raconter. Savoir. Non. C'est secret. Oui, j'écoute. Attendez, je vous la passe. Oui. C'est toi? Oui. C'est une copine du lycée. Bon, d'accord. À tout à l'heure. Salut. Mes parents rentreront tard. La trouille que je m'en fiche. Oh, et toi alors, je te préviens, demain je raconterai ce que tu m'as fait à toute l'école. Faut que j'aille faire pipi. Tu bouges pas, hein, tu m'attends là. Oui.
マウンド上3番手高津。Toi, de cette fameuse vidéo maudite, est-ce que tu en as entendu parler? Oui. Et est-ce que tu sais ce qu'il y a dessus? Oui. Regarde pas la caméra, d'accord? Oui. Excusez-moi. On y retourne. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur cette cassette? Il paraît qu'une femme terrifiante surgit tout à coup et d'une voix étrange nous dit « Tu seras mort dans 7 jours ». En tout cas, c'est ce qu'on raconte. On m'a dit que c'était diffusé très tard dans la nuit. Ensuite, le téléphone sonne et on est cuit. Tard dans la nuit? Et tu sais sur quelle chaîne? Oh, sur une chaîne locale, je crois. On dit que ça vient de la péninsule d'Izu. Izu, tu es sûre? À votre connaissance, quelqu'un est-il mort 7 jours après avoir vu cette vidéo? Nous, on connaît personne, mais elle, elle connaît. Vas-y. Une fille que je connais m'a dit qu'une autre fille qui avait vu la cassette était morte avec son petit ami dans une voiture. Un accident? Oh non, la voiture était bien garée sur le côté. La vidéo, lui aussi, il l'avait vue. Il y a eu un article dans le journal la semaine dernière. Saurais-tu me dire le nom de leur lycée? Je sais pas du tout d'où ils étaient. C'est ma copine qui a entendu cette histoire. Azakawa? Oui? Pour vous. Ah, merci. Merci. Il doit y avoir environ une dizaine d'années, une chanteuse s'est suicidée et des gens voyaient son fantôme à la télé. Oui, je m'en souviens, mais cette fois c'est différent. Seule la péninsule d'Izu est concernée. Faudra sans doute aller jeter un coup d'œil. Et cette histoire de la femme à la bouche fendue? Non, ça c'était à Gifu. Et cette rumeur, comme on dit, était née à la suite d'un accident horrible. À la suite d'un accident? Oui, la rumeur adore ce genre d'événement bien sordide et bien croustillant. Qu'est-ce qui s'est passé à Izu? Excellente question. Je dois m'en aller. Salut, à plus. Salut, Azakawa. Mort étrange dans une voiture. Un jeune homme de 19 ans et une lycéenne de 17 ans trouvés morts dans leur voiture le matin du 6 septembre. Bon, tu me trouves ça et tu me tiens au courant, hein? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes encore là, vous? Est-ce que tu peux me rendre un service? Allez-y. Tu pourrais me trouver le nom de leur lycée? Oui, bien sûr, mais... Appelle-moi dès que tu sais. Entendu. Eh ben, mon grand, tu t'es déjà changé? Oui, et j'ai même sorti tes vêtements. C'est gentil, j'en ai pour une seconde. Yoichi, est-ce que papy a téléphoné? Non. Maman, comment elle est morte, Tomoko? Eh bien, une maladie un peu compliquée. Tu peux m'aider? Alors, on peut aussi mourir quand on est jeune? Tout le monde peut tomber malade. Tu sais, chérie, il ne faudra pas que tu poses toutes ces questions à ta tante. Elle est trop triste, tu comprends? Tu l'aimais bien, hein, Tomoko?
Jimmy. Elle se repose. Il vaut mieux la laisser tranquille. Je vais voir si on a besoin de moi à la cuisine. Ah. Ah. Viens, mon petit. Viens, tu vas t'asseoir avec nous. Je t'attendais. Une seconde. Est-ce que tu sais de quoi est morte Tomoko ? Je n'en ai aucune idée. Les autorités ont bien dû faire une autopsie. Oui, mais ça n'a rien donné. Cette mort, elle n'a rien de naturel. On ne referme pas un cercueil aussi vite. Tu ne trouves pas ça étrange ? Ça suffit. On redescend. Je te rejoins tout de suite. Allô, j'écoute. C'est moi, Okazaki. Bon, j'ai trouvé le nom du lycée. C'est l'école de jeunes filles Seikei, à Yokohama. D'accord, merci. Tu l'as vu, toi ? Non, il paraît qu'ils ont refermé le cercueil tout de suite. Ça fait bizarre. Excusez-moi. La jeune fille dont on parlait dans le journal, celle qu'on a retrouvée morte dans la voiture, vous la connaissiez ? Je vous en prie, dites-moi ce que vous savez. Ils sont tous morts le même jour. Yoko, Tomoko et aussi Iwata, le même jour. Ils avaient vu la vidéo. Comment le sais-tu ? C'est Yoko qui nous l'a dit. Le soir, ils ont regardé une cassette. Et le téléphone a sonné. Tomoko l'avait vu aussi ? Où ça ? Je ne sais pas, ils étaient allés à l'hôtel une nuit. La fille qui était avec Tomoko quand elle est morte. Elle a été enfermée dans un hôpital. Elle ne supporte plus la vue d'une télévision. La petite s'appelait Tsuyi Yoko. Terminale à Seikei, 17 ans. Le garçon, Nomi Takehiko, première année de fac, 19 ans. Toutes les portes de la voiture étaient fermées de l'intérieur. Jamais vu un tel masque mortuaire. De quoi sont-ils morts ? Arrêt du cœur. C'est le moins qu'on puisse dire, j'imagine. Des traces de drogue ? Non. L'autopsie n'a rien révélé d'anormal. Il
Ils allaient faire l'amour, et c'est la mort qui les attendait. Tout cela n'a aucun sens. On m'a dit que Yoichi était venu. Mm-hmm. Ils s'entendaient bien, tous les deux. Hein? C'est vrai. C'est là que je l'ai trouvé. Tomoko ! Je rentrerai probablement un petit peu tard ce soir. Tu pourras faire réchauffer ton dîner, ça ira? Dis, maman. Oui? Tomoko, elle avait vu la vidéo qui tue les gens? Mais non, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, Yoichi, personne ne doit savoir à l'école. À ce soir. Ne t'inquiète pas, ça ira.
Et voilà. Aussitôt nettoyé, retournez ce véhicule sans perdre de miel au soleil qui brille sur notre péninsule. Grâce à ce système révolutionnaire, plus tard l'intérieur, ce matin, les représentants. Oui, l'animal blessé se met à l'écart. Papa est grand et gros. Maman est grande et grosse. Alors moi aussi, je suis gros. Oh, vous êtes toute seule, jolie comme vous êtes. J'aurais besoin... Est-ce que... Hein? Ces quatre jeunes gens ont dû séjourner ici le 29 août. Vous vous souvenez? Est-ce que vous auriez noté quelque chose de particulier? Le 29 août? Ah, attendez, ne bougez pas. Dites-moi ce qu'il y a dessus. Celle-ci? J'en sais rien, quelqu'un a dû l'oublier ici.
dans 7 jours. Yoichi est déjà à l'école? Il apprend à lire. Et toi, Ryuji, comment va ta vie? Comme d'habitude. Tu as du travail? Je donne des cours à la fac. Donc le téléphone a sonné? Oui. Alors ce téléphone va sonner dès que j'aurai vu la cassette. Ryuji, les 4 sont morts, le même jour. Va trouver un exorciste, il sera ravi. Prends-moi en photo. Regarde-moi. Allez, vite! Aucun coup de fil. Pense à m'en faire une copie. Je vois ce qu'elle a dans le ventre. On n'est pas encore tout à fait mort. Et cette vidéo doit bien avoir un auteur. Je vais vérifier la liste des clients de l'hôtel et voir ce que je peux trouver sur les émissions pirates. Tenez, c'est pour vous. Ça vient d'arriver, Lizou. Ah, merci beaucoup. Pourquoi cette liste de clients? Qu'est-ce que vous faites? Un petit truc à vérifier. Tu peux y aller.
C'est toi qui as fait ça. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Raconte. J'ai passé un coup de fil à tous les clients de l'hôtel. Aucun d'eux n'aurait apporté de cassette vidéo, et au son de leur voix, je suis sûre qu'ils disaient vrai. Et du côté du piratage ? Je n'ai trouvé aucune trace d'émission illégale sur Izu. Tiens, tu voulais une copie ? Azakawa. Cette femme, tu l'as déjà vue ? Non. Cette image a quelque chose d'étrange. Normalement, on devrait voir la caméra avec le miroir placé sous cet angle. Trucage. Aujourd'hui, on sait faire beaucoup de choses en vidéo, mais... Éruption. Oui, vu laquelle. Techniquement parlant, ces images sont impossibles à réaliser. Viens, entre. Takano, une de mes élèves. Azakawa, mon ex-épouse. Takano, heureuse de vous connaître. Enchantée. Votre éditeur court après son article, cher professeur. Ah oui, et c'est toi qui l'appelles. Il a dit qu'il n'arrivait pas à vous joindre. Dis-lui que dans 8 jours, il l'aura. Moi, pourquoi moi ? Je suis pas votre secrétaire non plus, et oh ! Très bien, je le ferai. Il y a un truc qui cloche. Sada. Yoichi doit attendre. Il sait se débrouiller tout seul.
Notre vidéaste a sûrement laissé un indice de façon consciente ou non, pour qu'on puisse le retrouver. La bande son. Shumon Bakari Bokonga Kuruzo, dire un dialecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je saurai ça demain. Le téléphone sonne et on est cuit. Tard dans la nuit. Et tu sais sur quelle chaîne? Oh, sur une chaîne locale, je crois. On dit que c'est... Dis donc, c'est sûr. Allô, j'écoute. J'ai trouvé. Il s'agit bien d'un dialecte. Ce que nous avons entendu veut dire jeu d'eau de mer et spectre en vue. Et c'est de quelle région? L'île d'Oshima. Il y a un volcan sur cette île. C'est maman. Je vais encore rentrer tard ce soir. Oui. Tu vas te débrouiller tout seul. Je t'embrasse. De la région aurait prédit l'éruption du volcan de l'île d'Oshima. Ryuchi? Vous avez une agence sur cette île? Je crois que non, mais un correspondant, oui, sans doute. Je veux son numéro de téléphone avant ce soir. Dis-moi ce que tu vas faire! Tu n'as plus que 4 jours. Je vais voir ce que peut nous apprendre ce correspondant. Rentre, Yoichi a besoin de toi. Je crois que Yoichi veut aller à la pêche avec toi. Oh, monsieur veut pêcher. Oui, allez, viens. Mais une seconde, voyons. Faut d'abord qu'on se prépare tous les deux. Hein? Vite alors. Venez, les petits poissons. Venez, venez. Ça y est, j'en ai vu un. Vite, vite, vite. Ah, ah, ah. Il était trop rapide, celui-là.
Ils ont de la chance, les poissons. T'es pas doué. Tu vas voir. J'ai pas dit mon dernier mot. Hé, hey, attends, papy, je sais pas nager, moi. Bien, fais-moi confiance. Maman, te rendre. Tu as du nouveau ? Oui. Je viens d'avoir votre correspondant. D'après lui, la femme de la vidéo est sûrement celle qui avait prédit l'éruption. Elle s'appelait Yamamura Shizuko. Elle s'est suicidée en se jetant dans le volcan. Il y a 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas le choix. Il faut aller sur place. J'y vais demain. Tu veux aller à Oshima ? Je n'ai plus que 3 jours, Yuji. Je sais. Et moi, il m'en reste 4. Je te rappelle. Ça n'a pas l'air d'aller. Un peu de travail en retard, c'est rien. Ma tante. Yuji. Qui m'a dit de la regarder. J'ai été négligent. J'ai fait une erreur. Mardi, quand je suis allé chez toi, j'ai ressenti quelque chose. Mais je l'ai attribué à la vidéo. C'était Tomoko. Ce n'est plus tout à fait. Et Yoichi peut la ressentir lui aussi. Tout ça est ma faute. Tomoko et les 3 autres sont morts et tout aurait pu s'arrêter là si je n'étais pas intervenue. Pas si sûr. Cette rumeur, comment est-elle née ? Elle n'a pas été fabriquée par quelqu'un. C'est l'anxiété collective qui s'est cristallisée. L'anxiété ? Oui, ou alors... quelques désirs morbides et inconscients. Soyez les bienvenus. Bienvenue à Oshima. Je vous en prie, suivez-moi. Merci.
Ce que je sais, c'est que les Yamamura étaient une famille de patrons de pêche assez florissante. Ça a bien changé aujourd'hui. Ils ont tout arrêté. Et le seul qui vit encore, c'est un cousin de Shizuko. Son fils et sa belle-fille tiennent une auberge. Vous y dormirez ce soir. Vous allez les rencontrer. Tu sais pour quelle raison Shizuko s'est suicidée ? Elle est devenue folle. Elle a craqué. Tous les journaux l'avaient dénigrée. À la suite de sa prédiction sur le volcan, toute l'île ne parlait que d'elle. Elle avait toujours eu des dons étranges. C'était une voyante, comme on dit. C'est là qu'un savant entre dans son histoire. À mon avis, tu le connais. Ikuma Heihachiro. Celui qui a été exclu de la fac ? Il a emmené Shizuko à Tokyo pour faire des expériences et des tests avec elle. Il cherchait à prouver l'extrasensorialité. Les journalistes l'ont d'abord encensé. Et ensuite, ils l'ont démoli. Tout ça remonte à 40 ans. Mais les médias n'ont pas changé. J'ai déjà lu ou entendu des choses là-dessus. Je crois bien que quelqu'un est mort lors d'un test. Ikuma a été renvoyé de l'université et on n'a plus entendu parler de lui. Ça m'étonnerait qu'il vive encore. Alors qu'est-ce qu'on est venu chercher ? Il paraît que Shizuko a eu une fille. Y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bon, je vous laisse. Je vous en prie. Vous voulez une chambre ou deux chambres ? Non, non. Deux chambres, s'il vous plaît. Entendu. S'il vous plaît. Monsieur ? Ici. Attendez ! Shizuko ! Shizuko, dites-nous ce que vous savez d'elle ! Je n'ai rien à vous dire, laissez-moi. Sa fille, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle n'a jamais eu de fille. Pas faim. Miyuchi, quand ce sera l'heure de ma mort, reste à mes côtés. Ne sois pas idiote. Je t'en prie. Et puis continue les recherches. Continue, sauve Miyuchi, il le faut. Ça suffit, arrête. La copine de Tomoko a fini à l'hôpital psychiatrique. Il peut m'arriver n'importe quoi. Il ne t'arrivera rien. Toi, tu ne risques rien. Pourquoi ? Parce que je suis déjà cinglé. Puisque c'est comme ça, on n'a qu'à mourir tous les trois. Excellente idée. On n'aurait jamais dû avoir cet enfant. Tais-toi ! Il te reste encore 2 jours. Oui. Pardonnez-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Shizuko. Voici tout ce qui reste d'elle.
C'est le professeur Ikuma. Je crois. Ça date d'une époque où je ne faisais pas encore partie de la famille. Bonsoir. Merci beaucoup. Devriez-vous dépêcher de quitter l'île. La mer sera mauvaise ce soir. Dites-moi, quel genre d'enfant était Shizuko? Une enfant très spéciale. Elle restait ici toute la journée, assise sur les rochers. Tous les jours, elle venait sur cette plage, et elle contemplait la mer. Tous les pêcheurs de l'île la détestaient. Pour nous, la mer a toujours été un lieu funeste. Chaque année, elle tue, elle avale quelques-uns des nôtres. Et Shizuko, elle, elle l'aimait. Jeu de mer, spectre en vue. À jouer avec la mer, on attire les revenants. Shizuko avait le don de lire dans les pensées des gens. Elle savait deviner les secrets les plus intimes de chacun. Ça devait être difficile à vivre. Rentrez chez vous. Attendez! Moi aussi, je sais voir ce qui est caché. C'est vous qui avez révélé les dons de Shizuko, n'est-ce pas? C'est vous qui avez appelé le professeur Ikuma. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Mais en fait, votre idée, c'était de gagner de l'argent sur son dos. Les journaux vous ont payé pour votre indiscrétion. Laissez-moi tranquille! Je sais que Shizuko avait une fille. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je n'en sais rien! Elles étaient ensemble, non? Vous étiez avec elle? Vous avez assisté aux expériences? Exact. 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 C'est une imposture! Ça n'a rien de scientifique! Ce n'est qu'un mauvais tour de magie! Vous n'êtes que des escrocs! Ikuma est un charlatan, et il profite de vous en plus! Je suis des clients! Numéro de fois, c'est toujours pas possible! Monsieur Richard, monsieur, comme moi! C'est pas possible! Vous le regretterez, menteuse! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il est mort! Cette femme est une revenante! Sadako! C'est toi? Sadako. C'est Sadako qui l'a tuée. Elle peut tuer d'une simple invocation. Cette petite était une revenante. Sadako! Asakawa!
Oui, c'est ça. Quand Shizuko s'est suicidée, le professeur Ikuma et Hachiro ont emmené avec lui sa fille, Sadako. Ils ont quitté l'île, mais ici, personne ne sait où ils sont allés. Il faut les trouver. Il faut absolument que tu me les trouves. Lui, le professeur, il est peut-être mort, mais elle, elle doit avoir 40 ans environ. Je t'expliquerai tout plus tard. Trouve-les vite. Ça m'étonnerait que Sadako vive encore. Elle a tué quelqu'un. Avec la seule force de son esprit. Son pouvoir surpasse largement celui de sa mère. Et la vidéo, d'où elle vient? Elle n'est pas de ce monde. Sadako a mis toute sa haine dans ces quelques images. Elle nous tient, la malédiction est sur nous. C'est trop tard. Le typhon approche de l'île et le ferry ne partira pas. Trouvez-nous un pêcheur. On est prêt à payer. Un pêcheur, non. Ils refuseront tous, mais le typhon va peut-être s'éloigner. Pourquoi vous n'attendez pas à vous aller? Non. J'en trouve rien. Mais... Monsieur Takayama! Attendez, attendez! Sadako vous appelle, on dirait. Peut-être qu'elle veut... qu'elle veut vous attirer au large et vous entraîner au fond de la mer. Marié et il avait un fils. Sa liaison avec Shizuko a fait scandale. C'est aussi pour ça qu'il a été renvoyé de l'université. Il faut trouver le corps de Sadako. Et la malédiction sera levée. C'est ça? Yoichi sera sauvé? Je ne sais pas, j'espère, oui. Il ne reste plus qu'un seul jour. Thank you.
tous vivants. Sadako n'a rien contre vous, on dirait. Shizuko est maître en mer, elle parlait avec l'océan. Elle s'asseyait dans un coin, elle parlait tout doucement. Elle était joyeuse. Un jour, j'ai réussi à l'écouter sans qu'elle s'en doute. Mais ça n'avait rien d'humain, ce que j'ai entendu. C'est pas gentil ce que tu dis. Ton grand-père va être tout triste. Ah non, non, il rigole. Tu veux lui parler ? Je regrette, Yoichi. Je serai vite rentrée, juré. T'es bizarre, ça va pas ? Mais non, ça va. Je dois finir ce que j'ai à faire. Je vous embrasse tous les deux, ton grand-père et toi. Au revoir. La vidéo, tu l'as vue à quelle heure ? Il était peut-être 19h07 ou 8, avant 19h10 en tout cas. Si la rue Nord passe, ce sera leur limite. L'a tué. Et ensuite, il a mis cette dalle. Sadako est là-dessous. Oh.
Descends les seaux! Asakawa! On change. Tu n'as plus la force de remonter les seaux. Non! Tu crois que le puits va se vider tout seul? Ça changera rien, il est trop tard! Pense à Yoichi! Tu sais qu'elle ira le chercher! C'est bien. Ne regarde pas en bas!
Vite, sors. On a réussi! 19h10 est passé! Il est plus de 19h10! Tu es sauvé! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a tué Sadako? Passe une bonne nuit. Moi, il faut que je finisse mon article. Merci, Ryuji. Thank you.
Asakawa! Vous habitez ici ? Takaya Mariyuchi était mon mari. Vous ne le verrez pas, son corps a été enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis entrée et je l'ai trouvé tendu sur le sol. Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Est-ce qu'il a parlé ? Il a parlé d'une vidéo ? Visage. Pourquoi, Ryuji? Pourquoi? Et Yoichi? Ça veut dire que la malédiction n'est pas levée. Pourquoi moi, je suis toujours vivante? Pourquoi? Sadako m'a laissé vivre, alors pourquoi pas toi, Ryuji? Son sortilège était toujours sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait que toi, tu n'as pas fait? Dis, qu'est-ce que j'ai fait que toi, tu n'as pas fait? La vidéo. J'ai fait quelque chose avec la vidéo. Quelque chose qui a levé le sortilège. Je t'ai montré la vidéo. Et je t'en ai fait une copie. Thank you.
toi, papa. Je viens de partir, je suis sur la route. Je vais avoir besoin de toi. C'est pour Yoichi. J'arrive. Il n'y a qu'un seul moyen de rester vivant quand on a vu la vidéo maudite. Il faut en faire une copie et la montrer à quelqu'un avant que les 7 jours ne soient écoulés. Mais alors, on fait mourir l'autre ? Non, lui aussi, il a 7 jours pour faire pareil. C'est horrible, ça n'arrêtera jamais. Oui, c'est comme une boucle, c'est sans fin. Mais si tu ne veux pas mourir, c'est bien ce que tu feras, non ?